Ah, entre Rudolf Merz. Non, mais lui, je ne l'imite pas. Mais enfin, par contre, il est là. Hein, il est là ce soir. Parce que vous savez, Hans Rudolf est un ami. Et il m'a appelé hier. Il m'a dit, écoute, Yann, tu comprends, je suis président 2009. Je sais que tu vas faire le Festival du Rire de Montreux. Est-ce que tu ne pourrais pas faire quelque chose pour moi pour que les romans me connaissent mieux? Alors, bon, alors on a écrit un petit sketch avec Hans Rudolf. Il est en coulisses. Là, je vais aller le chercher. Non. Par contre, oui, il est là. Je vous assure. Par contre, il faudrait l'applaudir parce qu'il n'a pas l'habitude d'être aussi proche du peuple. Oui. Vous comprenez? Je vais aller le chercher. Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous présente le chef du département des finances, le nouveau président de la Confédération 2009, Hans Rudolf Merz. Et ce soir avec Hans Rudolf Merz. Oui, on a compris comment tu t'appelles, Hans Rudolf Merz. Eh ben, on n'est pas dans la Merz. Non, mais j'aurais dû garder ce numéro pour les rappels, hein, je crois. Rappel. Oui, rappel. J'adore les rappels. Ah bon? Premier rappel, deuxième rappel, troisième rappel, saisi. Non, mais c'est pas de ces rappels-là dont on parle. Ah, oui. Non, alors ce que je disais, c'est qu'avec Hans Rudolf, on a préparé un petit numéro, enfin, on l'a écrit ce matin, hein, et puis on l'a très peu répété, mais enfin, on est entre nous. Et puis, on a... Quoi? C'est quoi, ça? Non, mais ça, ce sont les présentateurs. Ils font les guignols entre les numéros et tout. Ça coûte cher. Oui, bah, il faut quand même les payer. Hein. Trop cher, les guignols. De la rigueur, c'est la récession, récession, récession. Citrinez les guignols, virez les guignols. Si vous voulez. Non, cassez-vous, cassez-vous. Voilà. Alors, ce que je disais, c'est qu'avec Hans Rudolf, donc on a prévu un petit numéro ensemble. On l'a écrit, une petite chanson assez sympathique, vous verrez, en fin d'émission. Et quoi? C'est quoi, ça? Ah, mais ça c'est le décor du festival. Et ça coûte cher. Oui, alors celui-là, il a coûté un saladier, oui, oui. Trop cher, le décor! De la rigueur, de la rigueur! Il faut faire des économies, c'est la récession! Récession, récession! Virer le décor! Citriner le décor! Oui, vous pouvez couper le décor, s'il vous plaît, parce que, voilà, il va nous faire une jaunisse. Voilà. C'est bon, maintenant? Oui. D'accord. Alors, ce que je disais, c'est qu'avec Hans Rudolf, nous avons donc prévu un numéro assez sympathique. Ouais, ouais, ce sera drôle. Et je pense que... Quoi encore? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi, ça? Mais ça, c'est les lumières, c'est normal. Ça coûte cher. Il faut quand même les payer, les lumières. Trop cher, la lumière! De la rigueur, c'est la récession, récession! Citriner la lumière, citriner la lumière! Oui, Julien, tu peux couper la lumière, s'il te plaît? Voilà, merci. Alors, ce que je disais, c'est qu'avec entre... Qu'est-ce qu'il y a encore? C'est qui, lui? Non, mais c'est Julien, c'est mon régisseur. Coûte cher. Il faut quand même que je le paye, c'est un collaborateur. Trop cher, la régie, de la rigueur, c'est la récession, récession. Citriné, dégraissé, virer le régisseur. Mais comment je finis le spectacle, le numéro, si on n'a pas de régisseur? Je veux dire, on a besoin de lumière, on a besoin de son, on a besoin d'un décor. C'est normal pour faire un... C'est normal pour faire un spectacle... Pour... Quoi? C'est quoi, ça? Ça, c'est le public, et il coûte pas cher. Oh! Ils ont même payé pour venir, c'est dire. Oh! Payé. Oui, payé. Oh! I love you. Payé. Oui, payé. Combien? Bah si, c'est bien assez cher. Non, si, quand même, le prix des places, non, si. Bah si, 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 si. Non, tu peux pas les faire repayer à la sortie, non. Non, tu peux pas. Non, tu peux pas faire ça, Hans Rudolf. Bah pourquoi? Bah tu peux pas réduire toutes les prestations et augmenter les prix. Bah si, ça c'est la Suisse. Ça c'est la méthode Merz, 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 Merz.
Bon, alors tu veux vraiment faire des économies, c'est ça? Ben, à ce moment-là, je sais pas, moi, les chaises, là, elles coûtent cher. Citrine les chaises! Voilà, la scène, elle coûte cher. Citrine la scène! Voilà, les accessoires, ça coûte cher. Citrine les accessoires, d'accord. C'est ce qu'on appelle une coupe radicale.